tous et bienvenue au Sainte-Marie de la Mer en Camargue. C'est ici, selon la légende provençale, que les saintes Marie Salomé et Jacobée seraient arrivées de Palestine dans une barque et auraient évangélisé la Provence. À l'occasion de l'année de la foi, Hors les Murs vous propose un retour aux sources en vous faisant vivre ce pèlerinage traditionnel des Provençaux à l'invitation des diocèses d'Aix et Arles, de Marseille et de Toulon. Quel est le message des saintes aujourd'hui et comment l'Église puise dans ses traditions pour aller à la rencontre de croyants et de non-croyants? C'est ce que nous verrons dans cette émission. Mais tout de suite, qui sont les pèlerins qui viennent ici? Coraline Salvoche est allée à leur rencontre. Dimanche 20 octobre, la journée débute avec effervescence au village des Saintes-Maries de la Mer. Plusieurs milliers de pèlerins se pressent aux arènes pour le grand pèlerinage diocésain. Arlésiennes, gardiens ou simples croyants, ils viennent des quatre coins de la Provence pour rendre hommage aux saintes Marie Jacobée et Marie Salomé. Parmi eux, au cœur des arènes, voici un groupe venu tout droit du Var. Il vient ici sur les traces des légendes religieuses de la Provence. L'évangile est arrivé en France par la Provence. Ce sont nos premiers saints évangélisateurs, Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, Marie-Jacobée, Marie-Salomé et Maximin, qui nous ont apporté la bonne parole au 1er siècle et qui ont permis à toutes ces traditions magnifiques provençales ensuite de perdurer à travers les siècles jusqu'à nos jours. Mireille et ses amis font partie de l'association San Thomas d'Aleno qui entretient le culte de Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin. Ils viennent tous les ans en costumes traditionnels provençaux. Ici, tous les pèlerins sont attachés à ces traditions qui se transmettent de génération en génération. Pour nous, revêtir notre costume traditionnel, c'est aussi rendre hommage à nos saints, c'est maintenir bien évidemment notre culture, essayer de transmettre non seulement notre culture, mais aussi le message de l'Évangile et de nos saints évangélisateurs. C'est pas qu'on veut s'accrocher au passé, mais c'est notre passé, c'est les racines. Les racines partent de la terre et montent dans l'arbre, donc notre foi, c'est un petit peu comme ça. Ça nous permet de nous retrouver tous et de se sentir ensemble, un petit peu comme le JMJ. La bénédiction des saintes en mer a lieu uniquement deux fois par an. Entourée par les gardiens et portée par la confrérie des saintes, la statue de Marie Salomé et Marie Jacobée attire et passionne une foule de pèlerins. De retour dans la basilique Notre-Dame de la Mer, la statue est déposée au pied des châsses, un moment fort qui réunit des fidèles venus de tous les horizons. C'est un jour de joie, de moment de partage et tout. Ah ben ici, on vit une messe magnifique. On aime beaucoup voir les reliques. C'est quelque chose d'important pour nous. Ça fortifie ma foi en Dieu. Parce que l'histoire des saintes m'émeut énormément. Tout ce côté peut-être un peu folklore, j'y suis très attachée. Et puis, bon, il y a la foi aussi qui fait qu'on aime tout ce qui nous relie à nos intercesseurs, donc les saintes femmes, c'est très beau comme dévotion. On leur confie nos soucis et nos familles. Les deux coffres contenant les reliques des deux saintes sont présentés à la dévotion des fidèles. Descendus de la chapelle haute la veille, les châsses remonteront en fin d'après-midi pour conclure le pèlerinage. Nous sommes sur le toit du sanctuaire Notre-Dame de la Mer en compagnie de Martine Guyot, animatrice du sanctuaire. Martine Guyot, bonjour. Bonjour. Qui sont tous ces pèlerins qui viennent? On vient de le voir dans le reportage, ils sont très divers. Tout à fait. Ils viennent de partout, que ce soit d'un point de vue géographique, d'un point de vue confessionnel, d'un point de vue social, d'un point de vue de génération. Hein. Ils viennent en famille, ils viennent en groupe d'amis, ils viennent en pèlerinage diocésain, paroissiaux, ils viennent seuls. Il y a ceux qui viennent vraiment dans un objectif de pèlerinage, de prière. Il y a ceux qui sont attirés par ce nom des Saintes Marie de la Mer qui résonne dans leur cœur. Peut-être même ne savent-ils pas pourquoi. Ils viennent chercher quoi? Ils ne le savent pas forcément en fait. Je crois qu'ils ne le savent pas forcément. En ce sens où certains, entre visiteurs, j'allais dire entre parce que quand on vient aux Saintes, on va à la plage et puis on vient faire un tour dans l'église. C'est une étape. C'est une étape.
Mais beaucoup, beaucoup, je dois dire, une fois dans l'église, sont saisis et changent d'attitude. Et quand on engage une conversation, quand on envoie quelques-uns le nez en l'air, semblant chercher quelque chose, et que l'on va vers eux... Parce que vous, vous allez justement vers les pèlerins. C'est quoi votre mission exactement ? Ma mission, c'est une mission d'accueil. Alors l'accueil, ce n'est pas sauter sur les gens, mais ce n'est pas non plus rester dans une distance d'indifférence. L'accueil, c'est essayer d'avoir un petit peu d'intuition, de saisir la personne en demande. Et puis oui, je dois dire, c'est l'intuition qui pousse à aller vers certains, parce que je crois que l'accueil, c'est être disponible quand on vient vers vous, mais aussi faire un pas vers les autres. Donc vous le disiez, il se passe des choses souvent pour même ces simples visiteurs qui rentrent dans l'église, qui n'ont pas forcément d'attente particulière. Vous observez, vous, des changements? À partir du moment où l'on entre en lien avec eux et où les objets que leurs yeux saisissent prennent un autre sens, eh bien, bien évidemment, ils sont touchés et surpris parfois. Et ils demandent très souvent à en savoir plus. Alors justement, qu'est-ce que vous faites? Vous les guidez à travers le sanctuaire? Comment ça se passe? Oh, ça dépend. Ça ne se passe jamais de la même façon. Par exemple, il peut y avoir, comme cela s'est passé bien des fois cette année, des groupes de jeunes qui viennent en voyage scolaire, par exemple. Eh bien, il m'arrive de m'avancer, d'entrer en relation avec leurs accompagnateurs et de proposer d'essayer de soulever un petit peu le voile de cette présence et de ce que dit ce sanctuaire. Alors, parfois, les gens n'ont pas le temps et assez souvent cette année, ils acceptent, ils accueillent cette proposition. Alors, on s'assied dans le sanctuaire. Et puis voilà. Et puis les choses se passent. On essaie j'essaie de d'ouvrir un petit peu leurs yeux et leur cœur sur l'identité des saintes et ce qu'elles sont venues dire. Et sur le pourquoi de ces pèlerinages, comme je vous disais, individuels ou collectifs, qui ne cessent depuis des siècles et des siècles de venir irriguer ce sanctuaire. Mais la visite du sanctuaire, c'est plus qu'une visite touristique avec un guide? Je ne fais jamais de visite touristique. Je ne suis pas un guide touristique. Donc, je ne fais pas de visite comme cela. Je vais répondre, par exemple, à la demande ou aux interrogations de gens qui ne comprennent pas ce que représentent des bras d'argent dans une vitrine, ou qui ne savent pas ce qu'est un ex-voto, ou qui se demandent ce que sont les chasses, ou qui ne regardent la barque d'un air dubitatif, parce qu'effectivement, si on n'a pas la clé des symboles, on passe à côté. Voilà. Mais je ne fais jamais de visite, entre guillemets. J'espère pouvoir, comme je vous dis, soulever un coin du voile, parce que les gens ont soif. Les gens ont soif de plus en plus. Ils sont en recherche. Vous avez le sentiment, vous, de faire une démarche d'évangélisation vis-à-vis de ces gens qui sont en recherche, justement? Oui, je crois. Après, Dieu seul sait ce qui se passe dans les cœurs, mais oui. J'ai vécu avec des gens des moments très forts, des moments bouleversants. Il s'est passé quelque chose en eux et beaucoup le disent, beaucoup le disent. Comment vous l'expliquez, ça, vous qui observez ça depuis plusieurs années? La tradition dit qu'il y a leur relique, il y a leur présence, il y a leur présence qui vraiment est faite de toute la somme de prières qui est vécue là depuis des siècles. Sont-elles arrivées ici? Réponse, point d'interrogation. Mais elles y sont. Elles y sont par les gens qui viennent pour elles. Elles y sont par les gens qui les vrient. Mais oui, c'est ça.
Merci Martine Guyot. Merci. C'est sur cette plage de Camargue balayée par les vents que les gardiens, les célèbres cavaliers camarguais, accompagneront en procession les statues des saintes vers la mer. La tradition des gardiens, elle remonte au 19e siècle. On en compte aujourd'hui quelques dizaines en Camargue. Portrait d'un gardien réalisé par Marine Wolf. À 61 ans, Guy Bourneton a quasiment toujours monté à cheval pour le plaisir. Il est passionné par la nature et aime particulièrement s'y retrouver en compagnie de Lombo, son cheval Camargue. Donc si on se comporte bien avec eux, ils nous le rendent au centuple. Eh bien la nature, c'est la création et c'est une façon comme une autre de louer le créateur que d'apprécier tout ce qu'il a fait. Guy fait partie de la nation gardienne depuis plus de 20 ans. À l'origine, le gardien est le gardien d'une manade camarguaise ou de chevaux élevés en semi-liberté. Aujourd'hui, la plupart sont des amateurs et participent à des manifestations culturelles. L'association de la nation gardienne a été créée en 1904 et a pour vocation de maintenir et de glorifier le costume, les us et les traditions du pays d'Arles et de la Camargue, un attachement aux coutumes que Guy revendique. Pour moi, la tradition est importante. Donc la tradition, notre culture de provençaux, de languedociens. Désormais, ils sont quelques dizaines de gardiens. Certains sont éloignés de la foi. C'est l'attachement aux traditions qui les rassemble. Ce jour-là, Guy et une poignée de ses confrères partent en promenade vers les Saintes-Maries de la Mer. Le pèlerinage n'a lieu que l'après-midi, mais c'est à cheval qu'ils veulent arriver. Parmi eux, le père Benjamin Prouvaud. Pour lui, ces promenades sont des lieux d'évangélisation possibles. Pour moi, c'est important d'être auprès des personnes qui sont à l'extérieur, qui vivent autre chose, d'être dans ce milieu-là, le milieu des gardiens, le milieu des manades. Eh bien, on rencontre tout un tas de personnes et quelque part, je leur dis toujours que Dieu les rejoint. Dieu rejoint la vie des gens, là où ils sont et comme ils vivent. Les voilà arrivés maintenant devant l'église des Saintes-Maries de la Mer, costumés comme le veut cette tradition qui se transmet de génération en génération dans certaines familles. Et voilà, le pantalon à liseré, hein ? Dans différentes couleurs, du gris, du marron, du noir, etc., etc., du petit carreau blanc. Une chemise de couleur et la veste de velours, hein, de velours lisse. L'arrière-grand-mère et ma grand-mère, avec d'autres femmes du village de Vendard et dans l'Hérault, venaient en charrette, avec le cheval de la vigne, le trait, venaient au Sainte-Marie prier, faire le pèlerinage. Elles m'ont soufflé dessus. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, elles m'ont inculqué, elles m'ont imprégné de leur ferveur. Les gardiens participent ainsi à la messe, cette année célébrée dans les arènes. L'évangélisation commence par notre propre conversion au Christ, pour qu'il prenne tout l'espace de notre cœur, pour qu'il ravive notre foi, pour qu'il nous entraîne vers nos frères en leur apportant la joie de l'évangile. Ce sont les gardiens qui conduisent ensuite la procession jusqu'à la mer. C'est surtout pas un défilé, c'est une procession à laquelle participent déjà en costume, donc femmes ou hommes, pour témoigner de leur culture et de leur attachement à cette culture, et des chevaux qui font partie intégrante de notre vie et de notre culture. Ce qui est important, c'est donc de témoigner de l'arrivée du christianisme en France, donc ici au Sainte-Marie de la Mer. Pour Guy, participer à ces manifestations, c'est mettre la culture provençale au service de la foi. Thank you.
Je retrouve Jean Guyon, archéologue et directeur de recherche émérite au CNRS. Jean Guyon, bonjour. Bonjour. On voit beaucoup de monde qui vient rendre mémoire à ces Saintes Marie. Alors quel regard d'historien vous portez sur ces traditions? Est-ce que ça vous fait sourire? Non, ça ne me fait pas sourire du tout. Et pour l'historien, c'est passionnant au contraire de voir la fécondité des traditions. Les gens qui aujourd'hui viennent prier aux Saintes prient certainement de façon très différente de celle des hommes du Moyen-Âge, mais ils mettent leur pas dans le pas de gens qui, à partir du XIe, XIIe siècle, et à plus forte raison à partir du XVe siècle, lorsque sont inventées ici au sens médiéval du terme, c'est-à-dire découvertes, identifiées, les corps des Saintes Marie, à partir de ce moment-là, naît une tradition dont on a aujourd'hui la suite de la chaîne. Ça ne heurte pas votre regard, vous, de scientifique? Alors, le regard du scientifique, non. Si je reste au Moyen-Âge, je suis personnellement un historien, un archéologue qui est plutôt dévolu à la période antique. Or, pour la période antique, il n'y a pas de mention des Saintes Marie. Et si on s'en tient uniquement aux données historiques brutes, la première mention du christianisme en Provence, c'est quelque part vers le milieu du IIIe siècle. Et les évêques provençaux qui se sont succédés ensuite et qui ont eu l'occasion de parler de leurs racines et de leur passé ne mentionnent jamais ces traditions-là. Ils ont d'autres références. Alors, malgré tout, aujourd'hui, c'est plutôt sur ces traditions qu'on s'appuie, ou en tout cas, on entend beaucoup plus parler des Saintes Marie que d'évêques qui ont réellement, eux, existé ici en Provence. Comment vous expliquez cette contradiction, peut-être? Je crois que la légende des Saintes Marie, au sens étymologique du terme, c'est le nom qu'on donnait au Moyen-Âge à ce qui devait être lu et lu publiquement pour édifier le peuple chrétien. La légende des Saintes Marie et de tous les saints de Provence telle qu'elle s'est constituée est fascinante parce que ce récit portait sens pour dire vous avez des racines qui plongent jusqu'au Christ lui-même. Mais toute église plonge jusqu'au Christ lui-même. Là, c'était une façon de l'illustrer de plus près en disant vous avez été fondé par des disciples immédiats du Christ. Mais dans l'Antiquité, ce souci était sans doute moins prégnant. Et ce que les Arlésiens, par exemple, croyaient au 5e siècle et qui fut ratifié par le pape, c'est que si les Gaules étaient chrétiennes, ce n'était pas à cause des Saintes Marie, c'était à cause de l'évêque Trophime, c'est-à-dire une tradition ecclésiale, Trophime sur lequel on ne sait pas grand-chose, sauf que son nom signifie le nourricier, ce qui avait peut-être une valeur symbolique. Alors, quelles sont ces grandes figures des premiers temps chrétiens ici en Provence? Alors, nous sommes ici dans une terre qui a été celle, et ce n'est pas l'exagération méridionale, de gens qu'on a appelés les pères de l'église provençaux. Au 5e siècle, vient se fixer en Provence Jean Cassien, par exemple, qui est un peu le père des moines. C'est celui qui a acclimaté en Occident le monachisme qu'il avait découvert en Orient. Mais à la même époque, vous avez un homme comme Salvien, par exemple, qui vient s'installer, qui est passé par les Reims, un des premiers monastères des Gaules, qui s'installe à Marseille. Et là, il écrit Le gouvernement de Dieu, un ouvrage dans lequel il affronte la grande question de l'époque. Les barbares sont là, sont en train de prendre le pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, citoyens de l'Empire et chrétiens? La Provence, à ce moment-là, a un rayonnement intellectuel et un rayonnement spirituel sans équivalent à aucun autre moment de son histoire. Donc on a là des hommes qui ont réfléchi, qui ont été de tous les débats de leur temps et dont l'enseignement a été conservé par écrit et pourrait encore nous éclairer aujourd'hui. Quelqu'un comme Césaire d'Arles est connu aussi à cause de sa production littéraire. Alors justement, vous évoquiez Saint Césaire, hein, c'est un de ses pères de l'Église, père de l'Église provençale. Il est à l'honneur actuellement puisqu'on célèbre cette année le 1500e anniversaire de la remise du pallium par le pape Symmaque à ce saint. Une exposition lui est consacrée en ce moment à Arles. L'empreinte de celui qui fut évêque d'Arles de 502 à 542 est encore visible aujourd'hui. À l'angle sud-est de l'enceinte, les ruelles portent les marques du monastère Saint-Jean que Saint Césaire fonde au début du VIe siècle. C'est l'œuvre de sa vie. Moine dans l'âme, Césaire s'est préoccupé très tôt de proposer aux femmes un chemin vers la sainteté à travers la vie monastique. C'est le premier monastère de femmes d'Occident. C'était un énorme monastère qui, à la mort de Saint-Césaire, comptait plus de 200 religieuses et 7 églises agglomérées dans ce coin des remparts.
Depuis la Révolution, ce sont les Jeanne d'Arles qui, petit à petit, ont repris possession des lieux et se sont taillés des petites maisons à l'intérieur de ces grands bâtiments pour reconstituer un quartier de la ville qu'on appelle l'Authure. Ici, nous sommes dans la porterie de l'ancien couvent de Saint-Césaire. Moins visible aujourd'hui, ce qui reste de Césaire est son témoignage d'évangélisation. Il a façonné la chrétienté provençale du VIe siècle. Il a pensé que pour évangéliser les gens, il fallait y avoir des prêtres sur place, donc créer des paroisses rurales. Pour avoir des paroisses, il fallait avoir des prêtres. Pour avoir des prêtres, l'évocation ne manquait pas, mais les prêtres étaient d'une culture assez faible. Donc c'est là qu'il a eu l'idée de faire copier ses propres sermons et de les faire multiplier par les religieuses qui étaient là, qui passaient leur vie à copier ces textes, à les distribuer aux curés de ces paroisses pour qu'ils assurent une prédication. Une exposition lui a été consacrée à Arles à l'occasion du 1500e anniversaire de la remise du pallium à Saint-Césaire par le pape Simac en 513. Tout d'abord, il est le premier évêque au monde à avoir reçu le pallium. Cela signifiait qu'il y avait un lien particulier entre l'église de Rome et l'église d'Arles, puisque Césaire avait été nommé par le pape vicaire apostolique pour la Gaule et l'Espagne. Aujourd'hui, 238 de ses homélies témoignent de son don de prédicateur et de théologien. Le monde dans lequel il vivait était en pleine mutation et qu'il y avait déjà une déchristianisation. Et donc Césaire, à temps et à contre-temps, allait de village en village, de cité en cité, pour annoncer la foi au Christ ressuscité. Il parlait avec des mots simples pour que tous puissent comprendre. Donc il disait, un peu à la manière du pape François, quand il l'a dit dernièrement, il ne faut pas que les sermons soient trop longs, il faut employer des phrases courtes, il faut être concret. Vous donc, frères, qui que vous soyez, si vous savez lire, relisez très fréquemment l'Écriture sainte, et vous qui ne savez pas vos lettres, quand les autres lisent, écoutez d'une oreille attentive. Au-delà des écrits qu'il a pu laisser, Césaire est également à l'origine de l'évolution de la liturgie du VIe siècle. Aujourd'hui, dans la messe, nous disons « Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Christophe ». Et ceci, nous le devons à Saint Césaire. 15 siècles plus tard, son appel aux chrétiens de témoigner de leur foi vivante est toujours d'actualité. Alors Jean Guyon, c'est Saint Césaire qui nous enseigne pour la première fois l'existence d'une église ici au Sainte-Marie. C'est en 542, ça apparaît dans son testament. Que dit-il ? Oui, alors il donne une terre aux religieuses du couvent Saint-Jean d'Arles qu'il avait créé et qui a été la grande affaire de sa vie. Mais cette terre n'est pas au Sainte-Marie. Elle est à Sainte-Marie de la Mer, c'est-à-dire que le lieu est dédié à la Vierge et non pas encore aux saintes. Les saintes apparaîtront bien après. La Provence, elle recèle de trésors chrétiens finalement. Oui, la Provence recèle des trésors chrétiens, mais qui sont un peu postérieurs aux traditions apostoliques du 1er siècle. Et en particulier pour l'archéologue que je suis, la Provence est une terre où on peut, à Saint-Victor de Marseille, par exemple, aux Alisques d'Arles, mais aussi si on va à Fréjus, à Riez, pour des baptistères, ou à Aix-en-Provence, où le baptistère est conservé, une terre où l'on peut voir ce qu'a été la fécondité de ces premiers temps chrétiens dans les Gaules, et en particulier la façon dont une pastorale inventive et dynamique des évêques a couvert la région d'une blanche robe d'église dont les églises romanes ne sont souvent que les héritières, parce que les beaux bâtiments du XIe siècle ou du XIIe que nous voyons ont souvent été construits sur ces monuments plus anciens. Donc une invitation à vos téléspectateurs, visitez la Provence. C'est une terre qui est réputée pour ses monuments antiques, mais elle vaut aussi être connue pour ses monuments paléochrétiens. Alors cette époque, cet âge d'or du christianisme en Provence se situe donc entre le IIIe siècle, oui, et jusqu'à... Disons, la pointe, vraiment, le moment d'incandescence, c'est le 5e siècle. C'est le 5e et le 6e avec Césaire. C'est le moment où écrivent tous ces intellectuels qu'on appelle les pères de l'église provençaux. Et c'est le moment où on construit tous ces monuments du premier art chrétien. Donc, dans les années 400, 500, c'est vraiment le moment où tout cristallise. Une dernière question, Jean Guyon. Qu'est-ce que ces pères de l'église provençaux peuvent nous enseigner à nous aujourd'hui, chrétiens ?
Eh bien, il nous enseigne à affronter avec lucidité, détermination et si possible intelligence, car ces gens-là étaient intelligents, tous les problèmes qui se posent non seulement à l'Église elle-même, c'est l'époque où on débat beaucoup sur la grâce, sur le salut, qui se posent à la spiritualité, mais qui se posent aussi à la société de leur temps. Ce sont des gens qui ont vécu dans des temps de guerre, dans des temps où il y avait des personnes déplacées, et ce sont des gens qui n'ont pas hésité à vendre les trésors de leurs églises pour secourir les pauvres, nourrir les affamés, racheter les captifs. Ça a été ça, les pèlerins provençaux. Et nous parlions tout à l'heure des légendes du Moyen-Âge relatives aux saintes. La légende, c'est ce qui doit faire signe. Cette barque sans voile ni gouvernail sur laquelle sont arrivées les saintes, elle existe encore aujourd'hui. C'est les barques des pauvres diables qui sont sans voile et avec de malheureux gouvernails et qui naufragent quelque part du côté de Lampedusa et qui sont signes de la société dans laquelle nous vivons, avec ses parts d'ombre et parts de lumière pour ceux qui peuvent les aider. C'est un message qu'on peut méditer en pèlerinant ici de façon, comment dirais-je, en fidélité à tous les gens qui ont déjà péloriné aux saintes et en voyant dans cette barque cette autre image qui n'est pas à négliger. Merci Jean Guyon. S'écrit ensemble. Échoué sur cette plage, nous reste la prière. Celle que tu nous avais apprise un jour si gravement, cette émotion passée. L'heure première. Préoccupation est de remercier le ciel. Nous sommes dans les arènes des Saintes-Maries de la Mer en compagnie du père Michel Desplanches, qui est vicaire épiscopal, également curé des paroisses de Salon de Provence et de Grance. Père, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste des traditions provençales, vous parlez cette langue, vous faites partie même d'une association qui s'appelle le Félibrige, qui avait été créée notamment par Frédéric Mistral, et qui défend la langue, la culture provençale. C'est pas un peu du folklore quand même, les traditions ? Eh bien, vous savez, c'est toujours une équation difficile hein, entre ce qu'on appelle folklore et tradition. Je pense que toute tradition, elle donne à voir. Et aujourd'hui, donner à voir, c'est facilement classé, catalogué dans une petite boîte. Voilà. Alors, c'est du folklore, ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire ? Il faut se dire, quand on a dit folklore, voilà, quand on a dit folklore, on a classé les choses comme quelque chose d'étranger, quelque chose qui ne me rejoint pas, qui appartient à un autre univers que le mien. Or, la question aujourd'hui pour une culture et une langue minoritaire comme la langue provençale, c'est de poser question à la société d'aujourd'hui. Et c'est à travers une visibilité hein, que nous essayons de poser question. C'est un peu la même problématique dans l'Église, vous savez. Hein. Si aujourd'hui on voit refleurir des processions, des pèlerinages, c'est à travers une visibilité que nous disons quelque chose à la culture d'aujourd'hui. En quoi c'est important de parler le provençal ? Il y a peu de chrétiens, j'imagine, aujourd'hui qui le parlent. Oui, il y en a peu. Vous savez, les gens me disent « je ne le parle pas, mais je le comprends hein, ». Voilà. Mais c'est, là aussi, j'allais dire, c'est un peu comme la foi. Vous savez, les gens n'ont pas toujours les mots de la foi, mais ils la comprennent. Ils la vivent un peu avec, du fond de leur cœur. Il se passe quelque chose. C'est, aujourd'hui, il faut bien comprendre que dans les champs d'apostolat qui nous sont ouverts, le monde, pour ce qui nous concerne ici dans cette région, le monde de la culture provençale, de la culture camarguaise, de la défense de la paramène et la langue, comme on dirait en provençal, la défense de la langue, ce monde-là est un champ d'apostolat. De quelle façon ? Eh bien, très concrètement, moi, mon engagement dans le Félibrige, vous le rappeliez tout à l'heure, me permet de rejoindre énormément de personnes qui portent une tradition chrétienne, mais qui n'est pas vraiment nourrie d'une pratique régulière, d'une nourriture spirituelle ou biblique. Mais c'est à travers ce domaine de l'expression d'une culture que nous pouvons rejoindre les cœurs et dévoiler ce que le Seigneur a semé au fur et à mesure de ces 2000 ans d'histoire chrétienne que porte en particulier la Camargue. Nous sommes ici aux sources de l'évangélisation de Provence. Eh bien, cette culture, elle porte ça. Et dévoiler aux personnes ce qu'ils vivent déjà,
c'est vraiment, me semble-t-il, la racine de l'apostolat. Mmh. Alors l'apostolat, vous le faites à la fois en français et en provençal ? Bien sûr, bien sûr, mais il y a de nombreux pèlerinages en langue provençale et je peux vous dire que c'est toujours une joie. D'abord parce que je suis en lien avec un tas de milieux associatifs, de municipalités, de paroisses ou de confréries qui sont toujours à l'affût de ce type de demande. Et comment dire, nous rejoignons toutes ces personnes dans un climat de fête, dans un climat fraternel, heureux. Et avec une attention redoublée, étant donné que le provençal n'est pas parlé couramment par la plupart des gens, ils y sont extrêmement attentifs pour écouter ce que vous dites. Et en sortant, ils vous disent « j'ai tout compris ». Alors au moins, ils n'ont pas dormi, voilà. Alors, ils ne le parlent pas, mais ils le comprennent. C'est voilà. Assez mystérieux. Ah oui, mais vous savez, ça ressemble un petit peu au français. Vous savez, c'est un bain de... comment dire ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, justement, au Sainte-Marie, qu'est-ce qu'on dit aux pèlerins ? Oh ben, en provençal. Si qu'est-ce qu'il bienvenu, il sentit Marie de la Mar, et puis il y a Sien et Sita, dis une terra, il est Mistralin. Vezès dit Mireille, le cadobre de Frédéric Mistral. Mireille mort, dit la glaise. Dit Sainte Marie. Alors, voilà. Je ne suis pas et provençale, voilà. Mais j'ai compris le début. Bienvenue au Sainte-Marie voilà. De la Mer. Hein, mais je... et voilà, mais c'est un lieu mistralien. Pour nous, nous y sommes d'autant plus attachés que, si vous voulez, la légende mistralienne, la geste de la Renaissance provençale amène Mistral à faire mourir Mireille dans la chapelle haute de la basilique. Mais c'est quasiment un pèlerinage pour nous d'aller là où Mireille a rendu son dernier soupir. Même si ça n'était que dans l'œuvre d'un poète. Mais voyez-vous, je trouve merveilleux que ce peuple de Provence ait pris comme guide non pas un homme politique, un révolutionnaire ou une vieillerie. Et on a pris comme guide un poète. Et voyez-vous, pour moi, dans ce monde qui manque terriblement de poésie, avoir un poète comme berger, je trouve ça extraordinaire. Mais ça, c'est un peu éloigné de la foi. Oui, mais toutes nos traditions, toute notre culture est imprégnée du christianisme. La moindre chapelle a sa fête provençale avec ses tambourins, avec ses offrandes, du terroir, avec des gens qui ne sont pas des pratiquants réguliers. Mais si on leur enlevait leur pèlerinage à Saint-Bonnet, à Saint-Valentin, à Saint-Agathe, mais ce serait une perte terrible pour leur village. Donc vous voyez, c'est un attachement à la fois à une histoire, à un terroir, mais aussi à une tradition spirituelle. Une question, vous disiez tout à l'heure, les processions, les pèlerinages reviennent au goût du jour. Comment vous l'expliquez ça ? Nous vivons dans un monde très fragilisé, hein, très fragilisé. Je veux dire, presque tout le monde se sent agressé. Alors donc, il y a la nécessité de mettre en avant des identités. Et il y a là un piège pastoral qu'il faut toujours un peu éviter. Voilà. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour, comment dire, nous crisper sur une identité. Une dernière question, Père. En fait, il faut en faire quoi de ces traditions pour qu'elles portent du fruit spirituel ? Il faut qu'elles vivent. Il faut qu'elles vivent parce qu'elles portent... elle porte une âme, elle porte une âme. Et voyez-vous, nous avons la chance ici en Camargue d'avoir une identité forte, heureuse, joyeuse, festive. Et il me semble extrêmement important qu'il reste des lieux de transmission. De transmission, mais que ce soit des recettes de cuisine, de la manière... Ça passe aussi par ça, la mais foi. Oui, mais bien sûr, vous savez... Une évangélisation. Culture, oui, mais une culture, c'est une cohérence, voyez-vous. C'est une cohérence. Or, nous sentons bien que dans cette cohérence de la manière de s'habiller, de la cuisine, de la langue, de la foi, enfin, dans cette cohérence qu'on retrouve dans d'autres cultures qui s'installent en France, hein, où la langue, le vêtement, la religion, la nourriture, tout ça se retrouve. Confronté à la cohérence d'une culture, on est un peu perdu aujourd'hui. Mais nous pouvons vivre une cohérence d'une culture aussi. Et je pense que cette cohérence, elle est belle, même si le pilier... de la foi est toujours à entretenir. Mais c'est bien la même chose pour tout le monde, non ? Merci beaucoup, Père Desplanches. Merci à vous. Vous l'avez remarqué, sur la croix de Camargue. Thank you.
Seigneur, aide-nous par l'intercession des Saintes Marie à approfondir notre foi, à vivre de ton Eucharistie. En retraite, par contre, la perspicacité des saintes femmes les a conduits jusqu'au bout de la nuit. Monseigneur Christophe Dufour, archevêque d'Aix-en-Provence et Arles, nous a rejoint ici à quelques mètres du sanctuaire. Monseigneur Dufour, bonjour. Bonjour. Alors on le sent bien, hein, cette piété, cette ferveur autour des Saintes Marie. Est-ce qu'elles nous parlent encore aujourd'hui, ces saintes ? Elles nous parlent puisqu'elles nous apportent le message de l'Évangile. Le cœur de notre foi chrétienne, c'est ici que la nouvelle est arrivée. La tradition nous dit... avec une barque sans voile et sans rame. Et ce qui est sûr, c'est que les historiens vous diront que c'est une légende, mais nul ne saura jamais si les saintes sont venues ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'elles y sont et qu'encore aujourd'hui, elles viennent nous apporter la bonne nouvelle de la résurrection. Elles en ont été les témoins, elles étaient au pied de la croix, elles ont vu Jésus ressuscité. Et donc, elles nous redisent le cœur de la foi chrétienne. Quelle est la force, l'importance des traditions dans votre diocèse en dehors des Saintes Marie ? Alors évidemment, qui dit tradition dit que nous l'avons reçue, hein, qu'il y a eu une transmission. L'Église est née avec des pauvres moyens ici en Provence, et on le chante aujourd'hui, Provençal et catholique. C'est un tube de notre Église diocésaine et de nos traditions provençales. Eh bien... cette tradition nous transmet aujourd'hui ce qu'elle a reçu. Hein, comme dit saint Paul, ce que j'ai reçu, je vous le transmets. Et c'est ça l'important de la tradition. C'est qu'elle nous transmet quelque chose dont on aurait peut-être perdu la mémoire, mais la tradition est le véhicule de la mémoire chrétienne. Alors, on élargit un petit peu à la question de la piété. On le voit aussi à travers ce lieu. Comment l'Église... regarde cette piété. On a souvent dit, par exemple, de Lourdes, que c'était la ville la moins catholique de France. Et quel est le regard de l'Église sur ces traditions ? J'aime beaucoup contempler un peuple rempli de ferveur de cette piété populaire. Pourquoi ? Parce que le peuple a l'intuition de Dieu, a l'intuition du divin. Et donc, la piété est une forme de mystique. Alors, elle peut être une mystique bouddhiste, elle peut être une mystique musulmane, elle peut être une mystique de toutes sortes de religions, des religions traditionnelles. Et donc, la piété populaire a besoin d'être évangélisée, c'est-à-dire elle a besoin d'être christianisée. Ça passe par quoi, ça ? Alors, d'abord, il faut la respecter. Hein, il faut la laisser sortir, il faut la laisser jaillir. Elle a besoin de s'exprimer dans une sensibilité, dans des chants, dans des gestes, dans des rites. Elle a besoin de toucher, elle a besoin de voir. Hein, voilà, c'est une mystique qui a besoin de concret. Hein, et donc, ces traditions s'expriment par toutes sortes de gestes et de rites qu'il faut d'abord respecter. Ça n'a pas toujours été le cas, quand vous parlez de respect. Est-ce que l'Église, époque, a peut-être un peu boudé ces traditions ? Il y a toujours eu le désir de purifier le christianisme, hein, pour laisser résonner le cœur de la foi sans tous ces décorums. Hein. Et bien sûr, l'Évangile n'en a pas besoin. Mais c'est l'humain qui en a besoin. Si Dieu a pris la peine de s'incarner en un homme, c'est bien parce que les hommes ont besoin de toucher Dieu d'une certaine façon. Et dans ces traditions populaires, ces gestes, ces paroles, ces chants, ces processions, cette bénédiction de la mère, ces lieux donnent à voir l'invisible. Et le peuple en a l'intuition profonde. Comment est-ce que concrètement l'Église puise dans ses traditions ? Comment vous, en tant qu'évêque, vous vous appuyez sur ces traditions, justement pour aller rejoindre un public divers ? On le voit bien ici, hein, public fait de croyants, certains aussi sont plus éloignés de l'Église. Alors,
Évidemment, c'est par la catéchèse. Et la première catéchèse, c'est la prédication. C'est la prédication au cours de la messe, c'est la prédication au cours de leur dévotion. Et je pense qu'il nous faut apprendre le ministère de la prédication et il nous faut les conduire au sacrement de l'Église, au sacrement du Christ, c'est-à-dire le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement du pardon, qu'ils apprennent à se confesser, à confesser leurs péchés, qu'ils se souviennent de leur baptême. Il faut leur rappeler à temps et à contre-temps qu'ils ont été baptisés. Et bien évidemment, il faut être présent dans la convivialité. C'est une famille. Vous parlez des sacrements. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui viennent vous voir pour vous demander le baptême, le mariage par exemple, des personnes qui peuvent être éloignées de l'Église. C'est important de les accueillir. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, au niveau de notre diocèse, nous avons prévu une assemblée, justement, diocésaine de la pastorale du mariage et du baptême des bébés, c'est-à-dire cette tranche d'âge de 25 à 35 ans qui souvent sont même éloignés de la tradition populaire. Ils ont sans doute une piété personnelle, quelquefois très proche de la superstition, enfin très proche, mais qui exprime déjà ce sens de Dieu. Comme disait une maman, tant que mon enfant n'est pas baptisé, il n'est pas tout à fait fini. Je trouvais ça magnifique. Vous voyez, cette intuition que cette vie, elle vient de quelqu'un qui l'a donnée. Ce n'est pas eux qui sont les maîtres de la vie. Ils viennent, il y a cette tradition. On passe à l'église pour se marier, pour faire baptiser son enfant. C'est bien parce que l'église a été, respectueuse de cette mystique populaire, qu'elle a pu les rejoindre, les évangéliser. J'étais en Limousin, il y a encore les Bonnes Fontaines, qui étaient des légendes païennes. Eh bien, aujourd'hui, ce sont des légendes chrétiennes. On a dédié les Bonnes Fontaines, on a dédié les temples païens à des saints chrétiens, à des saints de l'Église, à des saints de notre tradition. Et du coup, eh bien, la France a été christianisée comme cela. Et aujourd'hui, ses racines sont profondément chrétiennes. Et je pense que cette terre de Provence et cette terre de Camargue, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est qu'elle exprime par ses traditions populaires ses racines chrétiennes. Et à l'occasion de Marseille-Provence 2013, nous avons justement voulu marquer davantage ces traditions. Alors nous, en tant que chrétiens, comment accueillir, comment se comporter face à ces personnes qui viennent demander un sacrement, qui sont en recherche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, toute évangélisation commence par l'écoute. Rejoindre le cœur. Laisser parler le cœur. Le Christ, c'est sa méthode, a rejoint les cœurs. Et la bonne nouvelle, l'évangile doit d'abord toucher le cœur. Et donc, il y a une vie humaine pleine de qui bat dans le cœur des gens. Il y a une tendresse, il y a un amour, il y a une foi déjà. Eh bien, il faut rejoindre. Et après ça, c'est tout l'art de la pastorale et tout l'art de l'évangélisation, c'est de leur faire faire un chemin. Et dans le texte national d'orientation pour la catéchèse, les nouvelles orientations que nous avons données, justement, on doit apprendre à baliser un chemin de catéchèse. Et c'est ça que nous devons chercher aujourd'hui dans nos églises diocésaines, c'est pour chaque préparation au sacrement, baliser un chemin de foi qui va nourrir la foi, qui va former la foi. Une dernière question, Monseigneur, l'Église, pour vous, elle a compris cet enjeu d'évangélisation autour de ces traditions? Dans les 2000 ans de christianisme, elle l'a compris. Il faut qu'aujourd'hui, après le siècle de la rationalité, le XXe siècle, elle retrouve la dimension mystique de la foi chrétienne. Merci Monseigneur Dufour. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce Hors les Murs. Merci beaucoup au diocèse d'Aix et Arles qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur le pèlerinage des Saintes Maries, et bien je vous renvoie au site internet qui s'affiche sur vos écrans. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver ce Hors les Murs sur le site internet kto.tv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.
demandons de bénir tous les habitants de cette commune des saintes qui veillent sur nos saints, de nous bénir, de bénir la mère. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.